road trip moto à deux, enfin ouais, ou plutôt à deux, c'est-à-dire avec quelqu'un, en l'occurrence Emric, qui est en train de passer son permis, bah allez, on va dire que je vais l'accompagner, on va voir comment ça se passe. Va chercher une moto. Ouais, c'est cool. C'est content. Allez. Alors tu dis qu'il y a la moto, toi, pour faire. Ah, c'est vrai, une vraie moto de road trip. Tu m'aides. Belle Africa 2020. Bah non. Les motos, elles sont là, les gars. À ta taille. Bah nickel. Voilà. Bon trip, les gars. Merci encore. Bonne route. Et ben, on est parti avec Emric sur nos respectives Honda MSX et un Honda Monkey. Pour un petit road trip comme il se doit, on équipe nos deux mini-motos de bagagerie complète amphibious. Oui, t'inquiète, ça sera plus que bien étanche. Tout le monde me demande ça à quoi le bouchon. Ça sert à vider l'air. Je t'avoue que le temps est pas vraiment vraiment au rendez-vous. On est en plein mois de novembre, il flotte, il commence à faire super froid et le sol est grave glissant à cause des feuilles mortes. Mais bon, on va pas se débiner pour autant. Et puis, Emric, faut bien que je lui montre ce que c'est que de faire de la moto, d'être un vrai motard, par tout temps. On est où là? Là on est à Ermenonville, au château d'Ermenonville. Un petit road trip plutôt sympa devait se faire directement par les châteaux. Et pour commencer, direction le château de Chantilly. Moi, les visites des châteaux, ça me dit bien. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller en direction du château de Pierrefonds. Tant qu'on y est, château de Pierrefonds ! Allez, on va aller visiter là-bas comme ça. Allez, vas-y. Faut quand même rappeler que la MSX et la Monkey font à peine 10 chevaux, soit un chevau fiscal. Mais du coup, sur les grandes routes, tu te traînes un petit peu. 12 euros le plein des deux motos. Bah là, franchement, on est trempé. Après avoir bien mangé et s'être un petit peu réchauffé, on est reparti. L'assiette de la mondialisation Emric m'a donné envie de voir encore plus grand et encore plus loin. C'est pour ça qu'on se dirige vers le château de Pierrefonds. Il pleut à torrent, mais franchement, c'est pas grave. En plus de ça, on croise un tas de personnes qui sont parties cueillir les champignons. Je te rappelle qu'on est en plein automne. Et vous avez cuisiné ça avec quoi? Ah bah, ça n'a pas de plaisir. Tu veux cueillir des champignons, Emric? On est en train de filmer des feuilles. C'est ça aussi une belle vidéo. Il faut faire des inserts, des petits plans. Ça prend du temps, tout ça. C'est la cueillette? Hé, Trudeau, non mais regarde la taille du champignon. Hey, je comprends pourquoi les gens vont cuire des champignons. Enfin, la route est belle, quand tu décides de passer par la route. Parce que, pour mon cas, j'avais plutôt envie de prendre quelques raccourcis un peu off-road et de tester le potentiel de la Monkey. C'est quand même plus sympa de rouler quand il fait beau. Et malgré qu'il pleuve, qu'il fasse froid, et qu'il y ait de la brume, et qu'il y ait des feuilles mortes par terre, eh bien, je vous avoue que ce petit road trip à travers les châteaux de France et la route des Champagnes a vraiment beaucoup de charme. On va arriver un peu plus tôt à Pierrefonds. J'aurais mieux fait d'écouter Emric et de rester sur la route. Mais tu vois, Nathan, il roule lui aussi. Il est 125, comme nous. Deux petites 125, on va essayer d'aller un peu plus haut quand même. Ça fait quand même deux fois qu'on fait tomber la GoPro. Il y a intérêt de faire gaffe. L'hôtel de ville de Pierrefonds. Et le fameux château de Pierrefonds. Ce château est juste impressionnant, il a été carrément construit pendant le Moyen-Âge et il est toujours classé au site des monuments historiques. Je suis dans les nuages au-dessus du château fort. J'arrive dans la brume. Bon, je dois dire maintenant que c'était quand même un petit peu le bordel d'avoir fait voler le drone par cette condition météo. Il faisait grave humide, on voyait rien. Franchement, c'était pas le top. Il fait nuit. Et on va aller à Château Thierry. Bon, en termes d'éclairage, ça manque de feu additionnel. À ce moment-là, on avait quand même vraiment marre. Il faisait grave nuit, les casques étaient pleins de buée, de flotte, on voyait rien. En plus de ça, il y avait des tracteurs qui sortaient des champs, un tas de boue sur la route. Enfin, sincèrement, c'était galère. Bon, bah reste plus qu'un endroit où dormir.
Après cette grosse journée, je t'avoue qu'une petite nuit d'hôtel est plutôt bien méritée. Une fois arrivé chez Campagné, on a déposé les affaires, on a fait sécher un petit peu ce qu'on a pu, et direction le resto. Les mecs, t'arrives à l'hôtel, ils te prévoient des bottes, tu vois, Black Crocs, tu vois. En plus, il fait du XL 43. C'est étanche, hein. Oui, il y a mon PC, il y a tout dedans. Foie gras, gésier, je passe la journée sous la pluie, le soir, tu manges bien. Bon, ça me faisait chier d'avoir la petite manquée dehors sous la flotte. Si j'avais eu la place, j'aurais rentré les deux. Il est fou. Te foire pas! Château Thierry, c'est aussi la ville de Jean de La Fontaine. Tu sais, le mec qui faisait des poèmes. Bon, à ce moment-là, je restais quand même un petit peu sur ma faim. Moi qui m'attendais à voir un super château énorme, dans la ville de La Fontaine en plus, j'ai juste eu affaire à des remparts. Bon, c'est joli, mais c'est pas ce que j'espérais. Aymeric, lui, par contre, il s'éclate. Il fait de la moto. Il s'amuse, il regarde du paysage, il sort son drone. Le truc, c'est que là, bah, on sait plus vraiment où aller après. Il y avait un peu de borne pour aller au château de Montmirail. Mais franchement, j'avais trop envie d'y aller. Une grande ligne droite immense. On a fait que de se doubler. L'occasion de voir laquelle des deux était la plus rapide. Apparemment, la MSX marche un petit peu mieux en pointe. Aujourd'hui, il pleut pas, mais il y avait beaucoup de vent. Et crois-moi, avec la légèreté des motos, t'avais intérêt bien à maintenir droite. D'ailleurs, au passage, avec ces histoires de vent, on a failli paumer un drone. Bien que le temps ne soit pas forcément au rendez-vous, on passe quand même un super bon moment. Inutile d'aller vite, autant simplement apprécier le paysage, le décor et la conduite de nos mini-motos. Le château de Montmirail, il est derrière Menonville. Oh merde, y'a rien qui a été tourné à Montmirail. Bon bah il est 11h18, on peut rouler encore facilement une heure avant de manger, et puis voilà quoi. Bon, on en est à peu près à plus de 350 km. Les motos sont crades, l'avantage c'est qu'elles consomment rien. Bon là parce que je t'ai regardé, mais sinon j'y arrive bien. En vérité c'est la grosse déception. Le château de Montmirail, bah il n'existe pas. Il a carrément été filmé dans le 60, tout comme le reste du film d'ailleurs. Il y a plein d'autres endroits dans les visiteurs qui n'ont jamais été filmés à Montmirail, mais dans des villes assez différentes. Un petit clin d'œil aux visiteurs, on a quand même été chez Courtepaille. Le Grigadin. Les chalons en champagne, tout à l'heure il pleut, il y a grave du vent, on a froid, Aymeric il a faim, moi aussi j'ai faim. J'ai envie d'une cuisse de canard. Bah oui, ça aussi c'est le bordel, les supports de GoPro qui arrêtent pas de tomber à cause de la flotte et de l'humidité. En parlant d'humidité, bah, il repleut, et ce, juste après avoir mangé. Et là, on est directement sur la route des champagnes. Qui se prête pas de la région de Champagne, c'est pas du champagne. Si tu vas dans la région de Champagne, tu prends ton temps, et tu fais la route des champagnes. Voilà. Mais quand il y a beaucoup de vent. Ok, moi je suis chaud. C'est parti. Vraiment, minuscule road. Moi je veux retrouver la route de Champagne. Moi j'aurais pensé que c'est la route direction Amadeur. Elle est magnifique la cathédrale de Nantes. Elle est belle hein, la cathédrale de Nantes, franchement. Je suis vachement surpris d'Aymeric parce que le mec il roule bien alors qu'il est en train de passer son permis, ça fait des années qu'il a pas foutu les pieds sur une bécane. Vu qu'on est en avance, on va en profiter pour aller graisser les chaînes. Direction d'Arras. C'est pas ce que t'as mis de chez Moulin. Ah si, c'est ça. Ça j'ai vu. Ça va? J'ai vu le bazar. Bonjour. C'est Fandando, c'est toi? Fandando, ouais. Ouais. Je sais pas si ils sont en train de rentrer les motos ou quoi, mais c'est magnifique. Avions japonais et on voit les petits rappels comme ça qu'ils ont fait, les impacts de balles et surtout les montants en bracelet, et en fait ça rappelle un peu les katanas. C'est une ligne complète. Ah, c'est la ligne 17, d'accord. Ah oui, il y a plein de trucs. Je mets une impulsion à l'arrière, il est derrière, tu la tiens une main. C'est juste un truc d'équilibre en fait. Ah, faut être deux évidemment quoi, merde. Petit arrêt à Reims. Après avoir visité le château de France, je monte au Gaulois,
Ils nous ont gâté les mecs, on a pu garer les motos tranquille. Vu qu'on est samedi soir et qu'il y avait un peu de monde, on a mis du temps à avoir l'addition. Faut pas partir sans payer hein. Ouais, moi je passe dans le bar là, j'ai pas peur. Faut bien être poli quand même, tu rentres avec une bécane dans un resto, le minimum c'est de dire au revoir et bonne soirée. La chambre 007. Ah bah elle est là, parfait. J'ai mon champagne et ce matin on a fait Château Thierry. Après cette petite nuit à Reims, il est quand même temps de rentrer et de ramener les motos. En plus de ça, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est vraiment trempé. Mais Aymeric tient vraiment à me montrer un endroit que je ne connais pas, à savoir les restes du circuit de F1 situé à côté de Reims. Cette partie de la route est absolument magnifique et surtout, elle est entretenue. Ça c'est super, c'est un très bel endroit que je ne connaissais pas. Et là, on arrive, il y a le soleil. Alors ça, c'est un truc de ouf.